présente actuellement l'exposition Olivier de Sagazan, à qui nous avons voulu offrir les deux lieux, l'ONU Galerie Haut-Marais et l'ONU Galerie Georges V, avec ici, dans le Haut-Marais, une proposition qui comprend ses œuvres les plus récentes, ses sculptures et ses peintures, tandis qu'à Georges V, on présente quelques pièces plus ancienne, et également les photos de ses performances. La philosophie de la galerie, c'est de faire en sorte que les projets des artistes soient réalisés comme ils l'entendent. Olivier de Sagazan, c'est également un performeur. À ce titre d'ailleurs, nous avons souhaité lui offrir une performance à Paris qui s'est tenue au Théâtre des Jazzés. C'est d'abord quelqu'un, Olivier, qui se dépouille de son côté intellectuel, qui se dépouille des structures occidentales. L'Occident est allé du côté de la métaphysique, l'angélisme, du côté de religion, un tantinet fabriqué. Les sources archaïques de l'être occidental sont oubliées dans une grande partie de la création. Et au contraire, Olivier de Sagazan plonge dans ces racines-là. Il travaille sur une démarche qui va de la neutralité jusqu'à faire tous ces masques expressifs qu'il détourne. Il y a aussi ce miroir des sociétés en permanence, en cherchant cette révolte intérieure, cet contact pas visuel. Donc quand on porte un masque, on ne sait pas les reflets qu'on donne, cette espèce de miroir qui on a besoin du public pour savoir où on est avec les émotions. Là, il n'y a pas tout ça. Il va au maximum, c'est pas que avec un pinceau, par exemple, c'est tout le corps et c'est vraiment ne faire qu'un qu'avec son art et ce qu'on veut représenter. C'est vivre ce qu'on veut dire. La pratique d'Olivier est d'abord une pratique de plasticien. C'est un dessinateur-sculpteur qui, à un moment de son parcours, se pose la question de jeter son corps dans la bataille, comme disait Pasolini. Si ça marche, c'est parce qu'il a un véritable rapport à la danse. Ces anges sont aussi des démons. Ces créatures sont intemporelles. Elles plongent dans la boue archaïque, elles plongent dans l'anti-angélisme. Donc je comprends assez bien que d'aucuns puissent se sentir gênés, bouleversés. Il oblige celui qui regarde à retrouver ses propres profondeurs, fussent-elles secouées, fussent-elles dérangées, fussent-elles violentées. Donc c'est un extraordinaire travail de santé mentale qu'il donne à voir. Son travail au départ était avant tout sur le visage. La perte du visage, la perte de l'identité, la reconstruction, petit à petit, très naturellement, ça a évolué vers visage et corps. C'est une grande dissection de l'être humain. J'ai vu une autre fois une performance en Sorbonne, où il a commencé comme une conférence, et puis il est parti en live sur de la violence, sur des phonèmes, etc. etc. Et j'ai vu, lors de cette performance, un garçon qui a fait une crise de tétanie, en fait.
ce qui donne une idée au fond de ce qu'il est capable d'aller chercher chez lui, à l'intérieur de lui et chez nous. Olivier de Sagazan, c'est l'homme autre. C'est quelqu'un qui plonge extrêmement loin dans les capacités de prendre contact avec ses sources secrètes, cachées, enfouies, dangereuses. Il y a une prise de risque extrêmement grande dans ce qu'il fait sur le plan mental, sur le plan de l'ego. Il se met à nu, si je puis dire.